J'étais donc en train de farmer des noix et des ressources et tout ça, et je suis tombé sur ça. Donc on va voir un peu comment on le combat. On est full équipé, on a du soin, ça devrait aller. Ouh, ça me ralentit. Parfait. Je comptais commencer mon épisode plus tard en fait, mais du coup, on est tombé sur ça, donc bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je comptais le commencer après la nuit là, parce qu'on est, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien. Je crois qu'il y a une lance qui est partie, je sais pas où. Je pense pas qu'on la récupérera. Ah si, on l'a. C'est parti. Je suis repassé sur le set de la coccinelle. Parce que si jamais on doit combattre, c'est quand même mieux de faire de la coccinelle. Est-ce qu'il y en a dedans? Si, il y en a dedans. Ah oui, alors j'ai augmenté aussi. S'équiper. J'ai. Vous rappelez que. On avait. Les augmentations pour la gourde. 1500 points de brut. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté la gourde. Donc maintenant on peut avoir 4 doses à l'intérieur. C'est bête parce que en plus j'avais. Parce que si vous avez vu mon inventaire. Je vais rentrer après, je vais vous montrer ça et tout ça. Si vous avez vu, j'ai fait des gourdes en fait. J'ai fait plusieurs gourdes. Et je me suis dit. Tiens, on fait plusieurs gourdes. Ça va être sympa pour repartir et tout. Ah, il y a de la rosée même en dessous des branches, c'est bien ça. Je me suis dit ça va être plus pratique et tout pour nous. Et du coup. Tiens, là aussi. Ça va être plus pratique pour nous. Et après, j'ai vu qu'on avait quand même beaucoup de sciences brutes, hein, parce qu'on en a trouvé un max. Hein. Je vais être honnête, on en a trouvé quand même pas mal. Après, quand j'ai pris l'amélioration en fait. Des gourdes, il faut les recrafter. C'est comme les. Qu'est-ce qu'il y a sur mon compte, c'est tout. C'est comme les torches en fait. Comme les torches. Parce qu'elles sont en train de bouffer. Je crois que c'est parce qu'il y a de la nourriture en fait dans ma maison. Elles sont tous en train de se suicider dessus. Aïe 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 aïe. Ils sont vraiment pas futés hein, ces fourmis. Ok, très bien. On a des vers aussi, il faudrait que je fasse quelques vers. On a ça à identifier. C'est ce qu'il nous faut pour faire la lampe là sur le casque lampe. Donc ça c'est très bien. M'appelle. Il faut qu'on fasse quelques verres. Parce qu'on commence à être un peu à court. Ouais, bah je suis à court de tout. En fait, je suis plein, comme d'habitude. J'étais en session de farm, hein, donc du coup, plein de tous les côtés. Donc on a plein de bouffe. On a. Je suis très content par contre de l'arbalète. Hein. Il fait extrêmement mal. Hein. Ça c'est vachement bien, on va pouvoir combattre plein de choses de très loin. Donc ça je suis très content. Il nous faudrait juste un set en fait qui correspond à l'arbalète. Et je sais pas à quoi ça correspond. Voilà, donc ça c'est la gourde plus, on est à 4. Très bien, il faudrait faire ça. Tiens, on va en faire. Ça c'est les deux gourdes que j'avais en supplément. Ça. Voilà, c'est très bien comme soin, ça, honnêtement, pour le moment. C'est très 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 bien. Voilà, de la vase. C'est de la vase en fait qui manque un peu.
ciel. Rub time. Okay, très bien, on a de la de l'asticot aussi à manger. Nickel. Ah oui, et j'ai fait bien sûr mon deuxième ah putain, ma deuxième réserve de d'eau là. C'est utile, hein, on en a besoin, parce que sinon ça prend trop de temps. Enfin, c'est, oui, en fait c'est qu'on boit trop comparé à ce que ça génère. Donc il en faut au moins deux par personne, je dirais. Parce qu'on est toujours en train de devoir en prendre sur les feuilles encore. Donc ça c'est très bien, on a ça qui est pas encore fait, 9 minutes. Je crois qu'on a un verre, mais je crois qu'il est sous la maison. Ouais, il est sous la maison. Je voudrais pas casser ma maison. Je vois rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez! Arrêtez d'être débile! Désolé, on voit pas grand chose. Ok, c'est bon. Ah oui, on doit tuer des fourmis aussi. Non, c'est pas compté comme pour la quête, donc ça doit pas être compté genre comme si on tuait des fourmis. Genre ça les rend pas agressives, c'est ça que je veux dire. Ça les rend pas agressives. Regardez-moi ça. Mais bon, c'est bien, ça nous permet de faire de la. De récupérer de la viande de fourmis. Mais il nous faudrait tuer des grosses là encore. Parce qu'on n'a plus de pince. En tout cas... Ah putain, ça c'est bien pour mon armure ça. En tout cas on est prêt. On va réparer ça. Et puis honnêtement je crois que celle-là c'est quand même plus facile à réparer. La coccinelle. Parce que c'est plus simple à récupérer. On va dormir et on va partir en aventure. On va repartir donc... comme la dernière fois au laboratoire. Mais avant d'aller dormir, ça, je viens juste d'oublier. Non, je viens de m'en rappeler. Alors, Luciole empaillée, c'est très bien. Nickel. Alors ça, je crois qu'il en faut un peu plus. C'est pour faire la lampe torche sur le casque. Là. Lanterne suspendue Luciole. Pas du tout ce que c'est. Je vais voir un peu ce qu'on a récupéré. Ah, c'est de la décoration. C'est une... Ah, c'est suspendu. Ah, c'est marrant, ça. Par un fil de corde de soie. Lanterne suspendue, Luciole. Lumière accrochée au plafond utilisant la bioluminescence enchantresse des Lucioles. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est moche, honnêtement. Ça, c'est bien aussi. Enfin, dans la forêt, c'est bien, je trouve. Mais ça, dans la maison, ça peut être vraiment, vraiment cool. Donc, nous, il nous fallait... C'est pour ça. Ouais, il faudra tuer plus de lucioles, parce que je voudrais vraiment utiliser la lampe frontale. En plus, c'est une armure lourde. Ce serait vraiment, vraiment bien d'avoir la lampe frontale tout le temps sur nous. Ça nous... J'espère que... Enfin, non, si, c'est un truc de luciole, donc j'imagine que ça se détériore pas. Donc ouais. Aussi, on avait récupéré une molaire, là, au... Comment ça s'appelle ? Au laboratoire, une en or, donc on peut faire une augmentation. Donc en la taille des consommables, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Les ressources à 15, ça pourrait prendre moins de place. Parce que les flèches à 20, c'est pas grave, ça va. Mais les ressources, que ça va marcher dans les coffres aussi, je suspecte. Du coup, c'est bien. Très bien. Et là... On va attendre pour en avoir 3 parce que je veux les mutations. Et en parlant de mutations, il faut que je remette les miennes à jour parce que j'avais mis ça, donc on va mettre ça. Voilà, très bien. Parfait. Maintenant, on va dormir et on repart pour le labo. On vient de se lever. On est prêt pour partir. Ah, j'ai pas fait de repas. Je crois qu'on a... Ouais, non, on a un repas pourri. Je sais pas si on a le temps, vraiment, d'attendre.
J'imagine que oui, quand même. C'est quand même important. On peut se faire des potions. Parce que je sais pas en fait ce qu'il y a là-bas, hein, mais bon, ça me fait un peu peur. On peut se faire ça. Hydratation, ventre plein, ça peut être utile aussi. Et ça, c'est pour le filtre. Ça, c'est résistance aux attaques. Morceau frais. Ouais, ça, on verra. Faudrait, en fait, faudrait marquer la pomme et tout ça. Et à chaque fois, y revenir. Je sais pas si elle a été marquée automatiquement, la pomme. Je m'en rappelle plus. Ça, ça, c'est de la nourriture. Ça, c'est de la boisson. Les gourdes ici, on les utilisera, on les videra. Puis après, je les jetterai, tout simplement. Donc, il n'y a pas de problème. Très bien. On a 3 lances, on va en faire une autre. Lance de base, mais on a notre masse, on a l'arbalète et on a l'épée. Donc ça va. Même une cinquième. Allez. Si jamais il y a une grosse bestiole enfin, je serais surpris qu'il n'y ait rien en fait. Je vais être honnête, je serais extrêmement surpris qu'il n'y ait strictement rien. Parce que vu la gueule de du labo, des toiles d'araignée partout, ça a été genre attaqué par les araignées. Ah oui, un truc qu'on peut faire, c'est prendre pour le soin, ça serait récupérer des barres de chocolat. Parce que maintenant, on peut en avoir quelques-unes. Bah merde, sont où les barres de chocolat? J'ai pas dû les voir, j'ai dû passer à côté. Ah oui, tiens, on en a des pissenlits ici. J'en avais récolté, enfin j'en avais pris plus que nécessaire. Mais merde, je trouve plus les barres. Ah là, 7. On peut mettre ça comme ça, ouais voilà, 7. Toi, on va te mettre là. Toi, on te détruit. Très bien, très bien, très bien. On est bien équipé. On a 2 torches aussi, au cas où. Et on a du soin. Pour le moment, on va mettre ça comme ça. On a du soin, on a du buff. Et on a ça qui est prêt. Let's go. Let's go. Donc on est reparti pour le labo. On a 5 lances. On a notre épée, on a l'arbalète et la masse. Encore une fois, je voudrais bien les nouvelles lances. Hein, mais bon, c'est un peu relou à trouver des abeilles à chaque fois. Par contre, on va peut-être boire ça direct, entre plein hydratation. Voilà. Comme ça, on aura les buffs d'hydratation et tout ça. Autant l'avoir au début, quoi. Sinon, ça aurait pas trop de sens. Par contre, je le sens bien. Quand je cours maintenant... Attends, j'ai pas envie que l'autre me claque. Je le sens bien, la différence d'endurance. Elle part beaucoup plus vite, hein, avec l'armure lourde. L'armure lourde de coccinelle, là, c'est pas la même chose. Hein. Vraiment pas la même. Moustique. Ok, très bien. C'est des moucherons. Il y avait des moustiques. Il y avait un moustique, j'ai cru voir un moustique. On n'est même pas allé sous l'eau, rien. On a fait qu'une fois, genre. Une grotte. Enfin, une grotte. Un terrier, quoi. On est allé une fois dans un terrier. Profond, hein, je parle. Hein, pas juste. Genre le truc des larves, là. Les larves, c'est rien du tout. Mais on est allé une fois, donc, voir les fourmis, là, avec les bébés et tout, les œufs. C'était assez impressionnant, parce que ça a l'air vraiment gigantesque. Bah, ça fait plaisir, quoi, de voir qu'il y a encore plein de trucs à faire. Nice and safe.
va monter direct. Il est quelle heure? Et midi déjà. Ah putain, il est déjà midi. La vache. Ah, parce que j'ai... On s'est endormi trop tard en fait. Je crois. J'ai act... Mais ok, on va éviter... On va éviter ça. Donc là on est allé. Mais je sais plus par où. Voilà. Doucement. Faut qu'on utilise le repas aussi pour avoir le buff. C'était où? C'est là, hein, je crois. Non, non, c'est pas celui-là. Celui-là, là. Ok. On va essayer de pas tuer d'araignée. J'espère qu'elles sont pas réapparues. Normalement, enfin, j'imagine que non. Parce que... Parce que... On a visité, donc, le truc hier... Merde, c'est où? Je suis perdu. Non, c'est là, ok. Ah, il y a une canette aussi. On a visité le truc hier, donc en théorie, ça devrait être ok. Genre là, elles y sont pas, j'ai l'impression. On est proche du sol en fait. Je pensais qu'on était beaucoup plus haut, mais en fait non. Ok, on est bon. Alors attends, on a ça, c'est repas bien nourri, endurance de combat, santé max. Ok, excusez. Parce que là on n'est pas encore au labo. C'est le problème, c'est que ça court vite ces merdes, donc t'es un peu genre obligé de... Attends, c'est par là. T'es vite obligé de les tuer en fait, si tu veux pas mourir. Tout simplement. Mais bon, c'est pas grave. Si on doit le faire, on le fera. Mais c'est bon. Le repas, ça fait quoi exactement? C'est bien. Endurance de combat. Mais ça dure quoi? 12 minutes, c'est ça? Faudrait que ça dure plus longtemps, genre 30 minutes. Genre la moitié de la journée à la limite, ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça, c'est pour la santé plus. On utilisera ça pour la santé plus. De régène, le fait de régène quand on bloque, c'est bien. Je me demande le fait de... Je
Ouais, ça marche à la masse. Oh la vache. Mais c'était sérieux là? Sans déconner. Ça va, on régène à chaque fois, c'est sympa. J'ai pas pris ça. Slowly, my torments come together into one ingenious solution. After trying countless materials, I finally found something to fix my zipline problem. While the bonding formulas were complex to say the least, I've successfully fused the web ropes with raw science. Once again, it proves to be the key. The new ropes are miraculously soft, but have the tensile strength of forged steel. I've dubbed my new creation Zippy Fiber. Est-ce que c'est à cause de ça ou pas? Just think of the practical applications. Est-ce que c'est à cause de des nids? This is not some trifle to pick parsley between trips to the periodontist. I will take your word for it, Dr. Tully. Faut que je les zip. Ok, les robots reviennent pas en tout cas. On va prendre le ça. Just like a fruit pounder. Aussi boire ça. On aurait dû peut-être attendre un peu. Donc on a un numéro à récupérer avec le robot là, on l'avait pas fait la dernière fois. Ça on s'en fout. There's some of those little spiders over here. Ok, il est là le truc. Faudrait aller là. Alors. Je sais pas si je peux aller sur le... me jeter, aller sur le côté en fait. Mais tomber en fait sur le côté là. C'est ce qu'il nous faut. Mais on y était en plus là. Ah oui. Ah oui, comment on y va? Si on descend... Là aussi il y a des trucs. Merde. Comment on y va? Ah putain, ça m'énerve ce truc. Va falloir de faire de l'escalade à un moment. Là, c'est verrouillé. Faut que le repas dure plus longtemps. Ça, c'est con, ça. En fait, faut avoir plusieurs repas. Faudrait faire plusieurs repas, genre pour la journée. Comme ça, on est toujours buffé. Peut-être par le dessus. Comment on était allé par au-dessus? Ah là là, je me prends la tête là. Y'a pas une dent au-dessus? Oh!
Attends, je suis sûr qu'on peut. Ah mais il y a une vitre, ok. Quel bordel. Ok, nickel. Heureux qu'on a de l'eau, hein. Alors là, on a ça, une batterie. Ok, très bien. Donc là-haut, il y a la molaire. Putain, comment tu es, quoi. Et quelle heure? 17h. On va passer la nuit là-dedans. Hein. Ah, attends, peut-être qu'on peut déjà faire ça. Ok. Ok. P19, très bien. Rester. Je crois qu'on est bloqué maintenant. Let's see what's around here. On est bon. Donc maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est la molaire, puis après on enchaîne. On enchaîne. C'est pas encore tout à fait fini. Hein. Je pense que je peux me permettre. I'm all geared up. Là, il risque de faire venir. Donc là, c'est pour la zipline. On va monter. Ah putain, mon fût, quoi, je le sais vénère. D'accord, ça de là, quoi. La molaire, elle est quoi? Elle est au-dessus de nous? La molaire, elle est au-dessus de nous. Yes, nickel. Ça c'est bien ça. Ça s'il nous en fallait en une de plus. Ah, je suis content. Nickel. Alors maintenant la suite. Ça c'est le début. Je crois que
passe invalide. On n'a pas le mot de passe. Password. Ah, il nous manque encore du papier, en fait. D'accord. Parce que je pense que la quête, en fait, du coup, c'est de récupérer ces papiers. Inspecter. Genre, combien il en manque encore? Putain, c'est chiant, quoi. Système de piratage de la porte, commande réseau électronique, identifiant. Ok. Non, non, il manque. Ouais, elle est là, la puce, en fait. D'accord. Donc, il faut encore un papier. Il manque encore un papier. Bah, je vais faire le tour, je couperai et on verra si j'arrive à trouver le papier. J'ai trouvé, je crois, le dernier papier. C'était juste là, en fait. Il fallait juste aller sur la droite quand on continue. Je pense l'avoir trouvé. Ok, d'accord. On va faire ça. Je suis un peu con, moi. Je devrais faire attention quand je fais des choses. Ok, on est bon. On bloque avec le bouclier, ça casse notre armure ou pas? Je crois pas, hein. C'est le bouclier qui prend. Je pense qu'on a tout, on a tout. Un mentum. Encore une fois, je ferai bien tous les nids, mais... ouais, non, j'ai pas envie de me taper des araignées à la base, quoi. Voir la couleur. Ah, pour la nuit, ouais, peut-être. Là, par contre, ça me fait... ma barre de vie et tout ça, c'est de la même couleur. Je suis pas très fan de ça, par contre. Est-ce que là on n'est pas une autre... Ah non non non, on n'est pas une autre partie. Non 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 non, on est bon. On est déjà venu là. J'ai rien dit. Ok, faut qu'on boive. It's no women crime, but it's better than nothing. Maintenant on peut la jeter. On progresse. C'était où pour le... Non, ça c'est le début. Non, c'est en bas, c'est en bas. On est bon. On va pouvoir récupérer la super puce. Accès autorisé. It is likely that this will be my last log from the hedge lab. Regrettably, the spider infestation is only worsened.
Last night, I had a close encounter with a giant brood mother that shook me to my core. Couple that with the strange radio signals I've been receiving, and I no longer think this facility is safe. Cool. Super puce de la haie. Burgle here. Can I start you off with a double charred barbarian bacon burger? It's made the Ruby's way. Burgle, initiate evacuation protocols for the hedge lab. Make sure any remaining biometric scanners and passcodes are encrypted in the mainframe. Is that really necessary, sir? Yes. Oh, yes. Absolutely necessary. We're being watched. Évacuation. Et maintenant, la puce. Bon, comment on part d'ici? Encore, c'est toujours la même question. Comment on part d'ici maintenant? Je crois qu'il y avait un autre dans ce sens-là. Je crois qu'il y avait un autre morceau de labo qui était un peu loin et un peu plus bas. Je vais voir si j'arrive à le trouver. Mais bon, par contre, il fait nuit maintenant. Donc... Tiens, il y a là. Ouais, là, le truc, elle est rentrée dedans, ça. Il y avait de l'eau dessus. On pouvait le voir de loin, en fait. Ah non, je sais plus où c'est. Ah, de nuit, ouais, pour trouver les choses, c'est relou. Hein. C'est un tout petit peu relou. Alors, on peut lâcher ça, on va prendre ça. Tant qu'on y est. Ça, c'est l'ouverture. Ah, il y avait un autre bout de... Ah, je crois que c'est de ce côté-là. Oui, avec la science. C'est là-bas. C'est là, en fait. Ici. Couche, enquête, œil fourmi rouge. C'est quoi, ça? Ah, c'est ce qu'il y a sur les scanners. C'est ça que j'avais mis. Ok, d'accord. Okay. Alors, comment on y va, là-bas? Parce que je vois strictement rien. I believe. Having a little peep. Ça là. Là. Attendez, je sais pas où on peut, comment on y accède. Hein. Aucune idée de comment on y accède. Je sais pas, peut-être qu'on va rentrer tout simplement. Ça serait de ce côté-là. On va mettre les chaussures pour aller vite. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Je pense que je suis sur la bonne voie. Non? Ou alors ça c'est d'où on vient tout simplement. Et en fait il faut aller en bas. Putain, ça fait chier qu'il fasse nuit que je voie rien comme ça. Genre ça c'est quoi ça? Je pense qu'on va devoir y aller. Mais le problème, c'est que en bas, ça grouille de saloperie.
Pourtant, on n'est pas très proche. On n'est pas très haut. Hein. Mais bon, il fait nuit, quoi. Merde. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Give me a plate of this. Ok. Je m'approche le plus possible. Après, je vois pas trop. Je vois pas trop de chemin en fait. Ça, je sais pas comment y aller. Ou alors c'est de là d'où on vient. M'étonnerait quand même. Nous on vient de là. Là-bas en fait. On a fait tout ça. Donc ça c'est un autre, une autre partie. Non, je suis certain que c'est une autre partie ça. Bon, il n'y a rien qui bouge. En bas. J'ai pas l'impression non plus. On devrait être ok. On est où? Let's see what's around here. Ok, on est sur une... Ah, le petit muret qu'on avait vu. Ok, donc on n'est pas encore au sol. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On n'est pas encore au sol. Ça la nuit quoi, c'est complètement... Comment qu'on puisse pas balancer les torches? Je crois pas qu'on puisse lâcher une torche allumée en fait. Tu as découvert mixeur. Donc c'est ça. Allez, on y va. On est prêt. Ok. Alors, lancer l'overdrive du mixeur. Bad guy attack! Hein? Oh! Faut le défendre en fait. Ok, ça marche. Réparation nécessaire. Je peux pas réparer. Bon, bon, on a pris ce que c'était. Donc c'est des vagues. Il faut défendre les vagues. Ok. Ça va, c'est marrant. All right, Shadows. What you got now? Elles sont parties, hein, les autres. Bon, au moins elles restent pas, quoi, parce que si je me les prends et qu'elles restent sur ma gueule. Putain, mais on voit pas vraiment mieux. Hein. Ça éblouit plus qu'autre chose, hein, les torches. Hein. Je veux pas dire, mais genre ça, je vois mieux plus loin, quoi. Bon, par contre, on était dans quelle direction, nous? Parce qu'on a un truc à Pardon, on a un truc à explorer. Je crois que c'est de ce côté. Avec la batterie. Il nous faut la... Il faut absolument qu'on fasse des lucioles.
luciole pour le casque. Oh. Je te vois. Attendez, on va faire ça. Il y en a à l'intérieur. Il y en a à l'intérieur. Ouais, non, mais... Le problème, c'est que si on tape une petite, elles vont toutes venir. On avait vu comment elle se défendait, hein. Comment elle se protégeait. Et vu et de nuit, honnêtement, bof, c'est pas trop mon kiff. Ok, ça c'est le monument. Ça marche. Ok. On n'est pas... Ça va. On n'est pas dans un endroit trop pourri. C'est juste que je voudrais bien passer la nuit. On est quoi? 3 heures. Peut-être attendre. Hein. Comment on le répare le machin? Je voudrais bien savoir comment on le répare. Oh, il y en a une juste devant. Bon, on peut partir. On peut aller donner la puce. J'entends que ça. Oh yes. Ah, des fois c'est jackpot, hein. Des fois c'est jackpot. Très bien. Bon, ben, mission accomplie. On a encore des trucs. On a encore des choses à voir. On a encore pas mal de choses à voir. Nice and safe. Mais on a fait le plus important. On a récupéré la puce. Et on a vu que des fois, bon, il y avait des puzzles. Genre là, il fallait trouver les mots de passe. C'était assez intéressant ce concept. J'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre encore? Il y a encore... Donc il y a la vague là à défendre. Du coup il nous faudrait quoi? Il nous faut... Ouais, une arme à deux mains et... Il y a les bourrins. Faudrait le faire à plusieurs, honnêtement, parce que ça fait beaucoup d'ennemis, en fait. Parce que si on commence à taper les ennemis, ils viennent sur nous. Donc, du coup, 4 larves sur la gueule, ça fait chaud, quand même. Faudrait les tuer en... Comment dire en un swing, à la limite, j'ai envie de dire. Et si jamais elles tapent en... Merde. Si jamais elles tapent en même temps, il va falloir une armure plus lourde ou un truc augmenté, quelque chose. Mais ouais, je suis très content de ce qu'on a fait. Tastes good. On va se vider les poches et on va aller au labo. Il y a pas mal de plumes de côté, c'est bien. On a des toiles aussi, on a pas mal de toiles. Maintenant, vous avez vu, c'est à 15, donc ça c'est cool.
Aussi, ça va prendre beaucoup, beaucoup moins de place. On a encore des baies. J'aime bien ma petite base, honnêtement. Très fier de ma base. Très, très fier de ma base. De ce qu'on a. Ok. Ok, il va faire jour. Pas besoin de dormir. Allez, on se casse. On va au labo et on va donner la puce au robot. C'est parti. Ah oui, sous le chêne. Oh la vache. Sous le chêne, c'est des... C'est des loups hein, qu'il y a sous le chêne. C'est pour ça qu'il y en a qui se baladent. Genre là, là-dedans. C'est des loups. Des araignées loups. Donc c'est pour ça qu'il y en a une qui rôdait près du chêne et qui défendait le chêne en fait. Ah, et des fois il y en a même deux. Hein. Donc ça explique pourquoi j'en avais vu deux. Voilà. Voilà, petite explication. Hein. Quand on parle du loup. Je me demande si on peut la traîner là-dedans. Avec l'arbalète. Elle peut pas rentrer, hein. D'accord. Si elle monte, je tire. Enfin, je tire dessus, mais. Ouais, casse. Bon, c'est pas grave. Robot, on a des nouvelles. Il est où ce con? Trouver une super puce. Huh. You made it back in one piece. How unexpected. You are more resourceful than I thought. Hand it over and we can see what data Dr. Tully backed up upon it. Processing. Processing. This is the Hedge Super Chip. Forgive me, I forgot to mention the nasty spiders before I sent you up there. I hope they were not too much trouble. Ha ha. I am feeling much more like myself. Take it from me. There's nothing quite like a reverse lobotomy. Thank you. Quelque chose de nouveau à me raconter. Now, what is it you were wanting to know? Oh yes, the location of the other super chips. There are four labs throughout the yard, each with a super chip. The hedge lab, the pond lab, the haze lab, and the black ant lab. Cool. And you have already made it through the hedge, so now on to the others. I will mark the locations of the super chips in those labs. Please find them and return to me so we can figure out how to repair the spacer. Oh, before you leave, check out the new recipes in the ASL Terminal Science Shop. That could be helpful for some of the tougher challenges. Ask away, my friend! Which lab would you like to discuss? Gotcha. After the oak lab, the hedge lab was the next to be constructed. Originally, we used it to observe and survey all of the wildlife and resources of the yard from a safe vantage point. After our encounters with the arachnids of the hedge, Dr. Tully's curiosity led us to experiment on spider silk, an extremely durable and strong material. The goal of our experiments there was to find other practical uses for it. The pond lab is, as the name suggests, located at the bottom of the Tully's koi pond. You will need to take a swim to reach it. Oh no.
Un laboratoire sous-marin, ça tue. As to the science conducted there, Dr. Tully has long had a fascination with Brussels sprouts. He thought that an underwater lab would be the perfect environment for the cultivation of new superfoods. Dr. Tully was interested in the medicinal properties of fungus and molds at miniature scale. We were hoping for a breakthrough by engineering a new type of fungus. Unfortunately, the experiment did not work quite the way Dr. Tully was hoping. Ça, c'est sûrement dans la zone du gaz, je pense. Our fungus ended up spreading rapidly and infected the nearby insect life. Ouais, c'est ça. If you are headed that direction, I would recommend bringing a gas mask and watch out for the infected. The Black Ant Lab is located underground near the sandbox. This remote location was chosen by Dr. Tully to do experiments with the newly discovered raw science particle, which has the occasional tendency to explode. Alas, a horde of black ants took over the lab and made a huge mess of the place. You can find the entrance in the stinky pile of garbage. Alternatively, if you have the right gear, there is a second entrance in the sandbox. If you see black ants, follow them, and they will lead you back to their anthill. How can I help you today? Have an exponentially great day, my friend! Now where did I leave that? Alors, faut voir ce qu'on a. Ah, tiens. Alors, activation... Je pense que c'est bien, parce que là, ça va faire quoi? Après, 1, 2... Genre, qu'est-ce qu'on prendrait? On pourrait prendre santé max, endurance max, soins, ou alors deux fois santé. Non, mais je pense que la mutation est mieux, en fait. Après, on prendra de la vie et tout ça. Mais, ouais, non, les mutations, c'est cool. Genre, rien qu'avec ça, déjà, ça, c'est très bien. Avec les trois, là. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Le truc du bas? Casse-cou, déverrouille une mutation qui réduit les dégâts de chute. Échelle, gagner de l'espace, déploie-toi verticalement, moyen d'une échelle. Tyrolienne, oh, on peut faire des tyroliennes. Poteau servant attaché, une extrémité de tyrolienne. On a combien? On a 3400. Économie de bandage, les fortifications. Les tyroliennes. Putain, j'ai l'impression de jouer à Death Stranding, quoi. mettre un système de tyroliennes partout. J'ai vraiment l'impression de jouer à Death Stranding. J'imagine que les tyroliennes, ça serait le plus intéressant. Livre de recettes. Et c'est quoi ça? Délicieux plat à base de morceaux de flasque visqueux cuit au four. Assez consistant pour faire office de repas complet. Bien nourri repas, change de coût critique. Nécessite. C'est quoi ça? D'argile? Ok. Et après c'est Tagiabeille. Repas crémeux, fait chaud au cœur. Un délicieux mélange fondant de morceaux d'abeille et d'autres ingrédients. Bien nourri. Feuille morte, ça c'est la chute. Ça me tente, hein, mais bon. C'est trois machins, c'est trois têtes de l'arbre là, c'est relou. Je dirais les tyroliennes pour faire des passages plus faciles. Choix recommandé. Ah, ok. Ouais, non, on les a ça. Ben ouais, go pour tyrolienne alors. Et fortification sera pour plus tard, je pense. Moi, ouais, plus tard. Tyrolienne maintenant, yay.
Alors elle est où l'autre? Est-ce qu'elle est toujours en train de rôder ou pas? Non. J'entends des bruits. Maintenant, bah tiens, vu qu'il fait beau. Ah, abeille. Go abeille. Quoi ça? Putain de merde. Viens, 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 viens que je te poisonne. Oh, qu'est-ce que t'es relou. Qu'est-ce que ça fait ça? Ouh la vache. Ça va, le combat est pas mal. Ah, si on pouvait utiliser l'arbalète full time, la truc, on la défoncerait. Quoi. Enfin, on pourrait passer d'une arme à l'autre, mais c'est un peu chaud. Est-ce qu'on peut avoir notre abeille? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du pollen. C'est tout? Sans déconner. Sans déconner, on a eu que ça? C'est un peu de la merde, hein. Tiens, une autre. C'était pas un tir parfait, ça. Un peu trop bas. Putain. Ça me rend fou. Elle s'arrête en fait. Yes. Quelle merde! Wait on me,
Ah, ça me ralentit son truc. D'accord, c'est pour nous tuer en fait. Mais non, l'armure elle prend pas vraiment hein, quand on bloque avec. Ça fait plaisir ça. Ça fait très plaisir. C'est le bouclier qui prend, ce qui est logique. Hein. Mais j'étais pas sûr. Ok, ça fait deux abeilles, mais on n'a pas ce qu'on veut. Si, on a un truc, c'est bien. Ah ben putain, on va devoir en tuer pas mal, hein, des abeilles, je sens. Je vais aller récupérer des pétales. Par contre, on n'a plus à manger sur soi. It's no lemon crime, but it's better than nothing. Là-bas, il y a un pétale. Une abeille là-bas. Oh merde. Elle va pas me lâcher. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est ça? Ça va. Ah, je suis content, on se débrouille bien. Combien il faut de... Ah merde. Ah, il y a une molar. Molar. Une molaire. Ça, c'est pas un sac, ça. C'est quoi ce bruit? C'est bien une molaire. Go. Nickel. Le bruit que ça fait, les machins sous l'eau? Et quoi ces machins? T'as pas envie d'y aller, hein? S'il faut, c'est là le. L'autre labo, là. Ça donne vraiment pas envie de faire un passage dans l'eau. Allez, on est bon. On peut partir, je pense. On va aller identifier ça. On va peut-être ramasser des trucs vite fait là, des noix. On se débrouille mieux hein, pour la parade. Hein. Pour parer avec. Avec le maître de la parade, là, niveau 3. Ça fait une différence. C'est pour ça que je voulais au moins 3 mutations. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir de la vie en plus, de parer plus, et après rajouter quelque chose d'extra. Genre, par exemple, là, les dégâts à la lance, par exemple. Ça réapparaît pas, non. Genre, les dégâts à la lance, c'est vraiment bien.
va peut-être pouvoir faire notre une super lance au moins, ce serait bien. Inventaire plein, ça marche. That was refreshing. Alors après, on doit aller tuer des fourmis. Ça, c'est pas très compliqué. Il y en a plein chez nous. Qui passent. Et le régène hein, qu'on bloque, hein, c'est vachement bien aussi. Hein. Donc pour le moment, bon, l'armure coccinelle, c'est la meilleure qu'on peut avoir. Nickel. Là, il y a du... Bon, ça, on n'en a pas besoin. Ah oui, on a dit qu'on allait analyser les parties d'abeilles. Et maintenant, on a le choix. Donc, on peut aller aussi prendre, comme j'avais dit, des œufs. Pour des œufs de fourmis rouges. Ça nous permettrait de faire des bombes. On peut au moins faire 2 bombes. Ah, et faire les bombes, ça nous permettrait de débloquer les endroits. Ils sont bloqués par des rochers, là. Donc, c'est... Voilà, c'est une aventure, déjà, qu'on peut faire. Ou après, on continue à explorer les choses. Un peu au hasard. C'est un peu comme on veut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde une mutation active? Est-ce qu'on garde... Non, non, on va pas faire ça. On va... Je crois augmenter la santé, je pense. Ou alors le soin plus. Le soin peut-être. Non. Je dirais le soin, comme ça on peut peut-être retirer la mutation. Là on a quoi? Nous on a lancier, maître de parade santé max. Merde, oui, je suis au max. Ah, je tue des trucs pour rien, quoi. Ah oui, mais c'est vrai que ça prend une place à chaque fois. Dans ma tête, ça stackait. Je sais pas pourquoi. C'est bon, on est bon. On va rentrer, on va regarder si on peut faire une lance. Après, je sais pas trop quoi. Je crois que... Je vais regarder mon équipement, puis après on va faire passer la nuit et on va dormir. Alors vas-y, dis-moi qu'on peut en faire une au moins. Non, on peut pas. Duvet d'abeille. Bon, avec un dard, on fait une lance. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais je voudrais bien en faire plein en fait. Alors la tyrolienne, on peut complètement la faire. Ça va, c'est pas très compliqué. Poteau de mur de tyrolienne. Ok, ça marche. Ça va, c'est pas très très compliqué à faire. Faut aussi des lucioles. Donc là, on est plus dans lucioles. Lucioles. Abeille. Ouais, lucioles abeille. C'est ce qui m'intéresse. On va voir pour réparer des choses. Je l'ai gardé sur moi comme un idiot. Voilà. Nickel.
Reviens. Une araignée qui se bat, ça? Ou pas? Non. Les araignées, on les laisse tranquilles pour le moment. Parce que j'ai un peu peur qu'on se fasse attaquer par les araignées, comme j'ai dit. Je sais pas comment ça fonctionne, les vagues. Je crois que quand on tue beaucoup de choses en une journée, après on a des représailles. Genre par exemple, on a eu des représailles de fourmis. Par contre, c'est parce qu'on a... Je pense que c'est parce qu'on avait volé des œufs. Je crois que c'est comme ça. Vous avez vu, on a bloqué le... On a bloqué le verre. Et on l'appelle, elle. Ah bah voilà. Il est mort ou pas? Il est mort. C'est pas mal parce qu'on peut... Ça bloque les vers, ce truc-là. Ah merde. J'étais gêné par les putains de trèfles. Les fourmis. On peut peut-être le faire maintenant. Rub time. Forminator plus. On va peut-être enlever ça. Merci. Parce qu'on a déjà de la vie en plus. Est-ce qu'on fait genre la moitié des dégâts avec, avec ça? Avec l'arbalète. Et Forminator. On va se faire des fourmis vite fait. Peut-être qu'on va avoir des lucioles qui apparaissent. C'est maintenant qu'il y a zéro fourmis. Je vais pas aller les chercher chez elles. Hein. Putain de merde. En plus, il fait nuit. Je vais pas aller les chercher chez elles quand même. Bon. C'est le fun. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une grosse... C'est une grosse merde. Ouais, on va... Ouais, on rentre à la maison. De toute façon, c'est vachement sombre, donc c'est chiant. Enfin, pour vous, surtout. Donc, autant rentrer. Je crois qu'une lance les one-shot quand j'ai Forminator et Lancier en même temps. Un lancer de lance et hop, il n'y a plus de fourmis, je crois. Oh! On a une cinématique. Je crois que ça c'est parce qu'on a récupéré une puce. Je suis allé dormir et maintenant on a ça. Please don't move and look straight ahead. I promise you won't feel a thing.
production. Spacer is prime. Where you are going, all your worries will seem so small. Eh ben. That nightmare was crazy. Like watching a movie. Spacer? Hominid? I know adults have nightmares about work, but I don't think their kids are supposed to. I have to tell Burgle about this. Ah, il faut aller voir Burgle, le robot. Intéressant. Putain, on a plein d'étoiles, c'est cool. La prochaine fois qu'on veut plein de toiles, on va au labo. Intéressant. Moi, je pense que j'ai aussi fait un chemin en gravier parce que j'avais oublié que j'avais débloqué ça. Donc du coup, je pense que ça empêchera les plantes de se mettre, de pousser en fait tout autour. On pourrait mettre du gravier partout tout autour en fait. Pour éviter que les plantes reviennent. Comme ça, ça me permettrait de passer plus facilement. Mais bon, pour le moment, c'est surtout le devant là qui est chiant. Bref. J'imagine que. En fait, c'est pas des enfants, c'est des adultes de base. Sauf que, bah, dans leur truc, ça s'est mal passé. Et du coup, ils ont été rétrécis, mais aussi ils ont été changés en enfants, je pense. Genre dans un sens rétrécis, mais dans tous les sens du terme. Genre petits et redevenus des enfants. Je dirais que c'est ça l'histoire. Nickel. Je dirais que c'est ça l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tuer les fourmis. On va aller tuer les fourmis. On va aller chez elles. On va aller les tuer. Comme ça nous fera une mission de fête. Il en faut 10. Elles vont sûrement nous attaquer pendant la nuit. Et dans un sens, c'est pas très grave. Parce que du coup, ça me permettrait de tuer des guerrières, là. On est sur le chemin. C'est par là. Big Ant, Big Ant. Ouais, ça c'est une guerrière. Bon. J'ai pas vraiment envie de combattre des guerrières en fait. Deux lances. Pas une. On peut voir la balette un peu. C'est très simple pour réparer ça ou pas? Ouais, c'est de la soie, c'est bon, on en a plein. Donc on va utiliser l'arbalète. On va utiliser l'arbalète plus souvent, hein, honnêtement. Je peux pas en tuer plus que nécessaire en fait. C'est ça le truc. Parce que si je peux éviter d'avoir une attaque, ça m'arrangerait. Parce que ça peut détruire toute la maison. Hein. Et détruire la maison, ça veut dire que je vais perdre énormément de ressources. Mais merde. Mais chier. L'armure a du feu. On peut pas se protéger avec ça. Non, on ne veut pas se protéger avec ça. Quatre.
On va se balader un peu. C'est pas la zone gazeuse, ça? Je m'en rappelle plus. Non, c'est où c'est qu'il y a la fourmilière. Ah, et peut-être gazeuse aussi. C'est du gaz ça ou pas? Il y a des cadavres donc. Ouais. Ok, c'est bien du gaz. On peut faire des trucs là. Faudrait un masque à gaz pour les combattre. Cela, on peut pas se mettre en hauteur. Quoi qui bouge là-bas. Okay. Je crois qu'on peut faire une lance. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait mal des fois? Donc, par contre, les drops, ils sont pourris. Quoi. Oh la vache. Bah là c'est pas mal pour les abeilles. Ah, vous avez vu, having a little peek. On peut se déplacer là-bas, hein. Faudrait qu'on aille voir. On a Forminator toujours, on va l'enlever. On va faire ça. Oh, putain, les dégâts! Bouge. Je peux plus. Foufoufoufou. Oh. Ça m'a fait pas chier.
Ok. On est bon. Est-ce qu'on a de la nourriture? On a zéro nourriture sur nous. D'accord, super. Si on peut avoir un set qui augmente les dégâts de l'arbalète, ça serait énormissime. Allez, formation phalange. Merde. Épée. Là, on pourrait sortir l'arbalète et lui mettre un coup, elle est morte. Poison. Trois du V, c'est pas mal. Ah, on a un bon setup, hein. On a un bon setup, je suis content. On va peut-être pas y aller. C'est juste une flèche. C'est un bon endroit, en fait, pour combattre les abeilles ici. Et qu'est-ce que je suis content de mon arbalète. Okay. Alors, est-ce qu'on peut... On a encore du soin et tout. On peut se débrouiller. Je vais voir le bouclier. Le bouclier est presque mort. Ici, on a de la bouffe. Le bouclier est presque mort. Les lances, on en a plus que deux. Je dirais pas non pour un charançon. À la limite, pour réparer le bouclier. Puis on retourne faire des abeilles. Tastes good. Bon, après, ce qu'on pourrait faire, c'est... Je vais parler genre terme RPG, genre des builds et tout ça. On pourrait faire arc et arbalète avec le set de l'abeille. Et en gros, ce qu'on ferait, c'est pour poule, en fait, vu que c'est long à recharger, on prend l'arbalète. Ça fait bon, des bons dégâts et puis ça fait un peu d'étourdissement et tout ça. Et après, pour combattre, parce que c'est long et tout ça, pour combattre, on utilise l'arc. Et l'arc pourrait faire office de... Ah, très bien. Faire office de, d'étourdissement avec le set de l'abeille. Vous voyez ? Donc ça ferait pas mal. Parce que là, on a un bon arc insecte, hein, si on arrive à le faire. Il faudrait tuer une loup de plus. Honnêtement, c'est la merde, mais bon. Enfin, après, la loup, la loup à l'arbalète, ça peut peut-être le faire. Hein. Ça peut peut-être le faire. Attendez, je suis mauvais endroit. Il faudrait un endroit très haut pour qu'on soit à l'abri. Pour pas qu'elle puisse rentrer, venir nous choper en fait. Parce que la combattre au corps à corps, je pense pas, toujours pas. Je crois pas qu'on ait encore de bon matos. Je me suis perdu ou quoi ?
Ah oui, mais je suis du mauvais sens en fait. Ok, c'est bon. Ouais, là il y a les punaises. Les punaises au corps à corps, je pense pas qu'elles soient très dangereuses. C'est juste le. Le gaz en fait. Donc si on peut empêcher le gaz avec le masque à gaz, on devrait être bon. Tiens, pardon. Elle est où? Par contre, ils ont fait en sorte qu'on puisse pas changer. En fait, faut que il recharge l'arbalète. Faut qu'il finisse de recharger l'arbalète pour pouvoir changer d'équipement. Sinon, ça serait trop pété, quoi. Pas si simple hein, de récupérer ce qu'il y a sur la tête. Hein. Genre les lances plantées. Hein. Ah, ça va, celle-là en fait. Bon, par contre, jamais je lance toutes mes lances d'abeilles comme ça, hein, putain. On est bon. Jamais je les lance comme ça parce que j'ai pas envie de les perdre. Hein. Va falloir que je les lance au corps à corps en fait. Jamais je les lance comme ça. Je voudrais bien passer quand même niveau 3 là. Les lances peuvent réduire l'armure de tes ennemis. Ouais, mais bon. Attends, qu'est-ce que. Il y avait une. Ah, ça. Est-ce qu'on peut encore en faire une? Attends, on a plus qu'une lance quoi. Le corbeau. Épée. Spartan à l'épée. C'est bon, elle a le poison. À la lance, Spartan. Spartiate plutôt. J'arrive pas là, ouais c'est bon. C'est ça, je crois que ça fait des dégâts en plus. Ça me ralentit mais ça me fait aussi des dégâts. Oh la sale. Un peu plus long que d'habitude. On sort l'arbalète ou pas? C'est mon dernier carreau, enfin ma dernière flèche.
Plus de lance. Plus de lance. Fini. Aïe, aïe, vache. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Par contre, c'est pas mal. Ce trio-là de trucs, c'est pas mal. C'est deux défenses et un attaque, en gros. I'm all geared up. Ah, il nous faut encore une fourmi. Encore une fourmi. Je suis content que l'arbalète fasse aussi mal, parce que comme j'ai dit, maintenant on pourrait faire un build arbalète, quoi. Arbalète ou arc, évidemment. Les deux. Build distance, quoi. That was refreshing. Attends, le corbeau, il est... Je crois qu'il est parti le corbeau. Peut-être la plume qui est par là. Je vois pas. Je voudrais finir la une fourmi là et après, après c'est fini. Comme ça on peut récupérer une autre quête. Il y en a deux. On est bon. Les autres s'en foutent. Fourmi rouge ouvrière, très bien. Toi, tu repousses. Toi, tu fais chier, toi. C'était... Bah les deux c'est les mêmes de toute façon. C'était ça que j'avais fait. Obstruer. Ah ! C'est chiant ces trucs. Ouais, nickel. Je pourrais le mettre là. Attends. Okay. Si je mets dans ce sens, il veut pas. Si je mets dans ce sens là, ça va, ça monte. Ouais, genre, parce que j'en ai mis deux côte à côte en fait. Après on peut en faire des plats, mais j'ai opté pour celui qui est arrondi là. Voilà. Oh merde. Putain, ça nous bloque. Chut. Trop bien. J'ai perdu la moitié des ressources. Bien ce que je pensais, c'est ce truc-là. Merde, d'accord. Super. On peut casser les cailloux. Lol. C'est marrant, ça, tiens. C'est bien comme, comme concept. Et on répare les cailloux. Ouais, je sais pas. Ça va... C'est, en fait, je voudrais mettre comme ça, mais ça veut pas se mettre au-dessus. Et si je mets celui-là? Sans déconner, quoi. Ouais, on est pas un très bon endroit parce que c'est incurvé. Bon, c'est pas grave, grave. C'est pas grave, grave. Donc on est arrivé à notre maison, je crois qu'on va s'arrêter là. On va d'abord faire nos belles lances.
Ou alors on pourrait faire... Ah oui, du coup, là, genre les jambes, on n'a pas besoin de les faire parce qu'on a ça, la selle pourrissante. Donc du coup, elles pourraient... Je suis sûr qu'elles ont besoin de moins de... d'équipement, de ressources pour être réparées. Comme les autres, comme la, l'épée. Mais on pourrait le faire, on peut totalement le faire. Ce serait étourdissement à l'arc. Genre on jouerait que à l'arc. Je sais pas. Pour certains monstres, c'est bien. Après, c'est bien pour la mobilité, ça c'est sûr. C'est sûr, ce serait super pour la mobilité. Mais ouais. On va le faire, je pense. Par contre, la défense... faut que je regarde ce quoi ça correspond, la défense. C'est peut-être la durabilité, en fait, de l'équipement, tout simplement. Peut-être quelqu'un me l'a mis en commentaire, bon, vu que je fais les vidéos en avance, je sais pas. Sinon... Ah ah, lance à dard. On peut en faire deux. Hop là. Très bien. Et pour les améliorer, c'est quoi? Pierre à aiguiser fragile. Je sais pas où on trouve ça. Je sais pas où on trouve tout ça. Donc, on a juste des pierres spéciales bizarres là. Je sais pas à quoi elles servent encore. Pour les réparer, je sais pas. Nickel. Yes. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un nouveau bouclier. Il faudrait juste choper un charançon pour... réparer le nôtre, du coup. Et voilà. Après, les dégâts de la lance, c'est pas fameux, hein, comparé à l'épée. C'est pas énorme, mais... Mais ouais, change de coup critique augmenté. C'est cool. Surtout que ça tape super vite. Je vais remettre la torche ici. Ok, on fait voir un peu comment... Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réparer. Ah, la réparer, c'est du duvet avec une épine larvaire. D'accord. Du duvet et une épine... Ouais, c'est chaud. Ah, c'est relou, hein. On peut aller farmer un peu plus de... d'abeilles la prochaine fois. Parce que là, on a un spot plutôt sympa, donc faut peut-être en profiter. Ça, j'aurais bien cet arc. Et là, il nous faudrait des bombes. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Des lucioles. La prochaine fois, ça serait... Bon, je sais pas, j'essaye de... Genre lucioles. Encore un peu de... D'abeilles. Des trucs comme ça. On se débrouille, on essaye de voir. Il n'y a pas de lucioles là qui passe. Ce sera tout pour cette vidéo, sur cet épisode. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça avance bien, je suis content. On fait des trucs cool. On combat des trucs cool. On fait un peu de tout. On n'avance pas énormément trop dans l'histoire, en fait, mais on fait tout le temps des... Enfin, j'ai envie de dire quand même, on fait des choses nouvelles à chaque fois. Donc, c'est cool. C'est cool. Et on a de l'équipement, du nouvel équipement et tout ça. Donc voilà, chaque fois qu'on trouve quelque chose, en fait, on le fait. Là, par exemple, je voudrais bien quand même faire le set de l'abeille et avoir un peu plus de dards et tout ça pour faire plus de lances. Donc autant continuer à taper des abeilles pendant un petit moment. Elles sont pas très très dures, elles sont pas très difficiles. Et ça va, quoi. On est bien équipé pour...
Donc ouais. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.